Bonjour Benjamin. Bonjour Anne. Vous êtes avocat à la Cour, au sein du cabinet Briard, et vous allez nous parler aujourd'hui du rôle du Conseil d'État dans la régulation audiovisuelle. Pour commencer, quelles sont les grandes questions posées au Conseil d'État en matière audiovisuelle Je dirais que le contentieux des décisions du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, soulève deux séries de questions. La première est en rapport avec les droits fondamentaux, car certaines affaires mettent en cause des principes structurants, comme la liberté d'expression ou le pluralisme. La seconde dimension est économique. Dans beaucoup de contentieux, le Conseil d'État est amené à se pencher sur les règles de concurrence, les relations entre éditeurs et distributeurs, etc. C'est donc un contentieux très riche. Et mon impression est que pour les praticiens, la seconde approche, l'approche économique, occupe une place primordiale. Le contentieux audiovisuel est un contentieux économique. Et cela est particulièrement net lorsque l'instance devant le Conseil d'État oppose différents opérateurs. Mais plusieurs opérateurs peuvent donc s'affronter devant le Conseil d'État. Absolument. Un opérateur peut attaquer la décision du CSA relative à un autre opérateur. Par exemple, si un éditeur s'aperçoit qu'une chaîne concurrente ne respecte pas ses obligations, il peut demander au CSA d'engager une procédure de sanction. Et en cas de refus, il peut saisir le Conseil d'État. L'idée, c'est qu'un secteur régulé est comme un écosystème. Les opérateurs sont placés en concurrence les uns par rapport aux autres, selon des équilibres complexes et subtils. Et donc, la décision prise par le CSA pour l'un d'eux peut nuire aux autres. Et dans ce cas, le contentieux n'est plus un face-à-face -face entre régulateur et opérateur. Ça devient un contentieux triangulaire entre le CSA et deux opérateurs opposés. Le rôle du Conseil d'État va-t-il évoluer avec le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle il y a la souveraineté culturelle à l'ère numérique actuellement en cours de discussion au Parlement. Ce projet de loi contient peu de dispositions contentieuses, mais il fait entrer les grandes plateformes numériques, les fameux GAFAN, alors de manière assez timide, hein, dans une certaine mesure seulement, mais il fait entrer Netflix par exemple dans le champ de la régulation audiovisuelle française. Avec la directive de 2018 sur les services de médias audiovisuels, la France va pouvoir imposer certaines règles aux plateformes établies dans un autre pays de l'Union européenne. L'objectif est bien entendu de mettre sur un pied d'égalité les éditeurs français historiques, qui sont soumis à une réglementation très dense, et les plateformes numériques internationales, qui jusqu'à présent échappent au contrôle du CSA. Mais une question demeure. Comment contraindre une plateforme établie à l'étranger à respecter les obligations dictées par le CSA En somme, comment assurer une réelle égalité de concurrence entre les acteurs disruptifs et les acteurs traditionnels. Face à ces questions, le Conseil d'État sera probablement sollicité. Et de manière générale, le secteur audiovisuel est en plein bouleversement. Les nouveaux modes de consommation des contenus, l'essor des GAFAN, euh, les stratégies de convergence, tous ces facteurs impliquent une évolution du cadre réglementaire qui passe nécessairement et en partie par la jurisprudence du Conseil d'État. Quels sont les arguments qui peuvent être invoqués devant le Conseil d'État Presque tous. Les requérants et leurs avocats peuvent se montrer créatifs, car la loi du 30 septembre 1986, qui régit le secteur audiovisuel, est dense, complexe et technique. Et cette sophistication est une ressource pour les avocats. Parmi les débats les plus intéressants devant le juge, il y a ceux relatifs aux règles de procédure. On peut notamment songer au principe du contradictoire et à l'affaire LCI, dans laquelle le Conseil d'État a jugé que le CSA devait publier son étude d'impact en cours d'instruction pour que l'éditeur puisse présenter ses observations sur les effets de son passage en clair. Au-delà de la procédure, quel est le contrôle du Conseil d'État au fond Avant tout, il faut rappeler que le juge respecte la marge d'appréciation du régulateur, du CSA, qui a une connaissance inégalable du secteur. Le Conseil d'État n'a pas vocation à le remplacer dans cette expertise. Son contrôle varie donc entre un contrôle entier et un contrôle restreint selon les sujets. Par exemple, dans l'affaire numéro 23, qui a fait couler beaucoup d'encre, le CSA avait caractérisé une fraude à la loi en estimant que l'actionnaire de la société éditrice avait agi à des fins purement spéculatives sans réelle intention de développer le service de télévision. Eh bien, le Conseil d'État... À annuler cette décision après avoir rappelé les conditions dans lesquelles le CSA peut retirer une autorisation hertzienne et surtout après avoir examiné de manière très concrète et très poussée si la fraude à la loi était avérée. On entend souvent parler des sanctions du CSA à l'encontre des chaînes de télévision ou de radio. Comment les contester Les sanctions infligées par le CSA, parfois très lourdes, donnent souvent lieu à un débat juridique riche. Face à une décision de ce genre, il faut invoquer les principes du droit pénal et les standards bien connus de l'article 6, paragraphe 1 de la CEDH. Il faut évidemment inviter le Conseil d'État à examiner le caractère fautif des agissements de l'opérateur et surtout à examiner la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des faits notamment. Le juge pourra alors annuler la sanction ou la valider ou même la réformer. En 2018, les affaires Touche pas à mon poste ont fourni un bel exemple des pouvoirs du Conseil d'État, qui a validé deux sanctions prononcées par le CSA, mais en a annulé une en considérant que les manquements de la chaîne n'étaient pas caractérisés. Ces décisions, au fond, illustrent la recherche d'un équilibre, souvent subtil et délicat, entre régulation et liberté d'expression. Merci Benjamin. Merci à vous Anne.